Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Migaoui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est sur Amnesia The Bunker. Mais avant de commencer, naturellement, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne. Les pouces vers le haut, naturellement, et les commentaires, ça fait toujours plaisir. Récemment, petite précision, récemment, je vous avais fait faire un sondage, en fait, et la moitié d'entre vous vouliez qu'on essaie, en fait, que je fasse, entre les choix pardon, que je vous avais donné, une série sur Occupy Mars. J'ai acheté le jeu sur Steam. Je n'ai pas un gros budget, en fait. Il faut que je fasse attention à tous les jeux que vous voyez en ligne, soit qui sont dans le Game Pass, ou, pour la plupart, je les achète sur Steam. Et j'ai testé le jeu pendant 45 minutes. Par chance, le jeu peut être remboursé dans les 2 heures, je crois, avant 2 heures de jeu, quelque chose du genre. Et je n'ai pas aimé le gameplay. Je trouvais que c'était un peu ballot, c'est un peu lourd comme... ouais. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalement mis ça de côté. Tant qu'à dépenser, ça coûtait 37,37 sous exactement. J'ai fait une vidéo, une première vidéo sur Amnesia The Bunker. Mais mon son était un peu cacane. J'avais oublié de gérer le son, en fait, la puissance du son. Et le son n'était pas très, très clean. Alors, c'est pas trop grave parce que la première partie, en fait, c'est l'introduction et tout. Il ne se passe rien, c'est long. Et on arrive par ici. Non, fais ça. Voilà. On arrive vers le haut, OK? Il ne se passe pas grand-chose, sauf qu'on va trouver le gun. Il y a un soldat mort quelque part. Ben, en fait, là, il est mort. C'était ici. Ouais. Il est parti dans le trou là-bas, là. Pas ce trou-là. Mais ici. Voilà. J'ai pas pensé, j'ai tout regardé ici. Y a-tu de la soupe? Donc, c'est ça. Il est parti par le trou qui est là. Et j'ai pas pu l'aider... C'était pas possible, en fait. Donc, il est mort, le pauvre tipette. Je vais juste voir. Tout à terre. OK, il n'y a rien là. Ici, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. C'est parfait. Donc, là, on se retrouve. Ouais. C'est moi qui fais ce bouquin-là. Il faut faire attention, en fait, pour ne pas faire trop de bruit. Ici, j'ai dû péter avec mon gun. Il y avait une... Juste pour vous préciser, là, il y avait un cadenas. Je l'ai fait sauter avec mon petit fusil. Donc, on se retrouve dans notre place. En fait, ça a l'air d'être l'endroit pour se réfugier. C'est là qu'on vient, dans un premier temps, sauvegarder. On peut aussi mettre de la marchandise. Là, on garde naturellement la lampe de poche, le gun et la montre Gousset. À Gousset, j'ai mis de côté du pétrole que j'ai trouvé. Et j'ai une guenille. Ça prend 2 guenilles pour faire quelque chose, pour se sauvegarder, là, se soigner. Celui-là ici, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que la viande périmée ne doit pas être consommée par les soldats. Il vaut mieux l'utiliser pour attirer les rongeurs. C'est ça que je me disais. Je ne l'avais pas vu, tu vois. Donc, c'est ça. On s'est promené. Je vais vous montrer de l'autre côté. Bon, la montre, pas la montre, mais la lampe, on appuie sur Y. Il faut faire attention parce que si on le fait trop, ben les petites bêtes vont venir nous ronger. En fait, la bébite là, qui est assez méchante. Ici, j'ai trouvé naturellement un petit... les numéros, vous savez, des soldats, là, la petite plaque. On a des notes, on a des photos. Cette photo ne me donne pas de grand-chose. Je ne peux pas la tourner. Et on a les codes. OK, Friou, c'est celui qui est à terre là, qui me donne le code. Le code qui est là, je vais l'utiliser. C'est pour sortir. OK, la porte qui est là. Mais avant de sortir, bon, j'ai mis du pétrole ici. J'ai mis du pétrole et j'en ai d'autres pour plus tard. Mais là, pour l'instant, j'en ai mis 2 et on va fouiller rapidement. Parce que la bête n'aime pas la lumière. Donc, on peut... les feuilles qu'on prend, les notes,
Ben, ça nous parle en fait des rats qui n'aiment pas la chair brûlée, donc ils nous disent de les brûler. La cause de l'amnésie de moi-même, l'autopsie. Henri, le journal de Clément, à l'agonie. Je suis à l'agonie, mon corps est paralysé, mon esprit prisonnier, mon âme purgée. Mais pourquoi ai-je fait cela? Donc, j'ai l'impression que Clément, finalement, c'est pas moi pantoute. Il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Ben, c'est peut-être moi, je ne sais pas en fait. Il a fait quelque chose. C'est maintenant l'heure de déjeuner aux messes. L'idée de manger me répugne. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que la bête qui nous pourchasse, c'est lui, Clément, transformé. J'ai aucune idée. Frilou, note sur la plaque des bons, c'est ça. Lorsque vous vous occupez des soldats décédés, veuillez vérifier l'envers de leur plaque. Encore une fois, il y a des codes. Le code qu'on voit là, c'en est une. Soldats, carburant, bon, il faut servir du carburant pour. Naturellement, il ne faut pas le faire sauter. Et la lumière, les bêtes n'aiment pas la lumière. Donc, j'ai déjà mis du pétrole dedans. Et dans le fond, on peut assigner une touche, vous voyez, en appuyant sur RT. Et. Ouais, on le garde là. Pourquoi pas? Voilà, on le prend par en bas, c'est bien parfait. Ça, je pourrais-tu le faire? Ma montre. OK. Donc, la montre me donne ben, zéro temps. Mais si je passe ça ici, puis on va le faire, là. Voilà. La lumière arrive. Là, il est en train de gérer le temps qui lui reste avant que ça. Parce que. OK, avant, on va aller voir le code. C'était quoi? 56 21. 56 21. Voilà! On n'a plus à se casser la tête. On peut le barrer après. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ici à prendre? Non, il n'y a pas rien. J'ai pris tout ce qu'il y avait. OK. Il existe plusieurs manières de surmonter la plupart des obstacles. Faites preuve d'inventivité et n'ayez pas peur d'expérimenter. Si vous pensez qu'une chose est réalisable, c'est sûrement le cas. On va juste faire de quoi? On va sauvegarder. Voilà. Encore, ça c'est bon. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est des gourdes. Une autre note, on va la lire plus tard. OK. On peut rien faire là. Ici, là, c'est le passage qu'il faut faire exploser pour sortir. Okay, il va falloir faire de quoi ici? Oh, c'est l'air, ça touche. Il est brisé! Ok, vous venez de trouver un nouvel objectif. Bon, ben écoute, c'est cool. On aime ça, des objectifs, nous autres. La petite quoi, il me semble que. OK. Ah, ben, okay, on peut mettre ça là. J'ai pas de balles. Ah, c'est chiant, j'ai gaspillé mes balles. Comment je peux faire? Ah, man. On peut pas aller là pour l'instant. On peut pas ouvrir.
Dans ma partie test, il y avait un baril, mais j'avais des balles aussi, là. Là, j'ai pas de balles, fait que ça va pas bien. Et je pouvais faire sauter ça. Bon, on va aller là. Voilà. Oh, une photo. Putain, qu'il me fait peur, Simonac. On va aller ça plus tard, Calvos. Oh. Excellent. On va aller en sécurité, les gars. Tabouet, ok. Planchet. C'est mis un explosif, lui. Ça veut-tu dire qu'il y a de quoi là-dedans, ça? Oh, man. J'ai pas envie. Où tabouet? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je peux pas ramener d'autres stocks. Ok. Simona qui me fait peur. Ok, je vais retourner à ma place là-bas. On va ouvrir le. Je pense que je devrais être capable d'ouvrir ça. Avec la grenade. Ok, on va juste serrer du stock là-dedans. Ça, peut-être que je vais mettre un autre, non, attends une minute. Combien qu'il me reste de temps? Oh mon Dieu, c'est presque fini, hein? Ok, on va prendre le gaz. On va le mettre en haut. On met ça là-dedans. Et ça nous donne plus de temps. Si on regarde la montre. Voilà. Bon. Excellent. Est-ce que j'ai de la place? Ouais, pas tellement. Mais j'ai besoin. Ah oui, c'est ça. J'ai besoin de ça. Ok. C'est pas là. Bon, j'espère que c'est correct. Je vais arrêter, je vais laisser 2 minutes passer. Pour économiser le pétrole, en fait, parce que je vais aller voir cette place-là, l'autre côté, là. Y a-t-il quelqu'un? Pensez-vous que je peux y aller?
Je pense qu'on peut y aller. En passant, il y a trois niveaux. Il y a un niveau facile où, d'après ce que j'ai compris, tu ne meurs pas. Il y a un niveau normal où, oui, là, il faut vraiment que tu trouves. C'est le niveau que je prends en ce moment. Et tu as un niveau... Je vais juste mettre peut-être... Il y a un niveau plus difficile où, ouais, là, t'as besoin d'être aidé par le bon Dieu parce que... Ah, c'est ça. Voilà. Et... Ouais, tu l'as pas vraiment mis, hein. Voilà, on va y aller. Il y a de la lumière, on devrait être en sécurité, mais pour un court laps de temps. OK. Ça doit être ouvert au moins la porte, j'espère que oui, qu'elle avance. Ouais, ça doit ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là? Une grenade fumigène. Pas sûr que ça va m'aider, mais bien. OK. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Oh, attends une minute. Ok, je peux pas. Ça doit être un gun. Ah, ça c'est bon. Une grenade. Faut pas faire de bruit. Je sais pas pourquoi je parle beau là. Mais... Ok, il n'y a rien. Ah. Pardonnez-moi. Il s'appelle, pardon, Auclair, 86-46. Ah ben c'est lui. 86-46. OK. Excellent. Il y a plein. OK, vous voyez ici un G. Traverse. H. Clément, il va falloir tout trouver. C'est... Oh oui, puis ça, c'est bon, ça. C'est des explosifs. C'est avec ça qu'on ouvre des portes. C'est un genre de porte-clés géant. Ouais, ça, vous voyez, là, je vais en avoir besoin. Ouais. Fait que c'est tous des codes qu'il va falloir que je trouve. OK. Et tabouère, hein? Vous imaginez la bête? Puis on peut pas aller en arrière. Ouais, il n'y a pas de possibilité de... Puis les codes qu'on a, on a ça. Là, le frilou 5621, c'était pour ouvrir la porte. OK. Ah oui, attends une minute, je viens de voir de quoi. Ah, je peux pas le prendre. OK, faut que je m'évite. C'est quoi ça? OK, il faut que j'aille le mettre là-bas, puis je reviens. Oh. Ah, punaise, c'est chiant! Allez! Allez, on va serrer ça. Okidoki. On sauvegarde. Et on retourne là-bas pour aller chercher le bidon. Ensuite, j'ai vu mon gun. J'ai regardé de l'autre côté. Puis en remettant mon regard vers mon gun, j'ai vu vers l'écran, j'ai vu mon gun. J'ai fait une crise cardiaque miniature. Calvasse.
Non, ça on touche pas. Puis où est-ce qu'il était allié là? Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que là, il va falloir qu'on revienne ici régulièrement. Est-ce que je peux? Ça, là. Es-tu capable de le monter? Emergency lockdown. OK. Le quartier des soldats. Peut-être qu'on va pas le faire sauter. Vous en pensez quoi? Je vais aller sauvegarder. Putain. Il faut faire attention. Vous avez entendu ça, c'est du coup, là? OK. Bon, on va mettre ça là. Et je vais prendre. Est-ce que dans mon gun, j'avais des balles encore? Ouais, j'en ai deux. Puis j'ai une balle à pompeux. OK, puis l'émission, c'est quoi l'inventaire? Note. On va venir voir les notes. Comment faire pour sortir? OK. Je n'ai pas vu d'autres humains depuis des heures maintenant. Je suis peut-être le dernier survivant, mais dans l'espoir qu'il y en ait un d'autre, je laisse ceci pour vous, pour que vous ne perdiez pas de temps. C'est la seule issue, le seul moyen de sortir de cet enfer que nous avons nous-mêmes créé. Elle a été fermée par une explosion, elle doit donc être ouverte par une explosion. Pas de la peine de creuser, impossible, faites-la sauter. La dynamite est enfermée dans l'arsenal. Le détonateur est quelque part dans les tunnels romains. Les tunnels romains. Punaise. Dans les profondeurs de l'enfer. Je vais maintenant essayer de les récupérer. Ah, ben, on va te retrouver là, mon homme. Même si j'ignore si vous existez, je prie pour vous. Je vous en prie, faites-en de même pour moi. Ben écoute, alléluia. Ça, c'est quoi? Je n'ai pas vu d'autres humains. Bon, OK, c'est pareil, mais pourquoi que. OK. Il faut que j'y aille jusqu'au bout, c'est ça. OK. À la personne qui trouva ceci, Fournier, notre chef de corps, est maintenant recroquevillé à côté de moi. Il a perdu la tête dans un abîme de frayeur. Il répète la même chose sans arrêt. Fuir, nous devons fuir et sceller la bête là où elle doit être. Il veut fuir, faire sauter la sortie derrière lui, enfermer le démon sous terre, le démon et nos hommes. Ses ruminations permanentes commencent à m'atteindre. Et ce, même ce gouffre de terreur m'envahit aussi. À la personne qui lira ceci, une fois que nous serons partis de cet endroit, je vais lui demander le code de l'arsenal. Je l'obtiendrai et je vous le communiquerai par radio. Piégé ici avec cette bête, l'arsenal est peut-être votre seul espoir. C'est tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai le courage de faire. Allez à la salle des communications dans les quartiers des soldats. Cachez-vous là et je vous transmettrai le code. Donc, allez à la salle de communication dans les quartiers des soldats. OK. Soldier Catcher. On est là. On tourne. On tourne. OK. On s'en va. Mission storage. Ah, c'est là en bas. Ça va des où j'ai mis de Paris. Est-ce que je peux le faire sauter? Ou il y a d'autres choses qu'il faut que je fasse? J'ai aucune calice d'idée. Punaise. OK. On a fouillé ça. Ah, Delisle. Delisle, c'est le dernier au bout. Bon, ben écoute, on va aller là, je pense. Regarde, c'est Delisle, là. OK, ça, je sais pas, il y avait. Stockage, la sortie, on sait où ce qu'elle est. Bon, on va aller dans un premier temps, là, on va aller là, ici, Delisle. Ça fait combien de temps que ça roule, ça? 24 minutes. Il faut que. J'ai-tu parti ça? Ou j'ai perdu mon gaz parce que. Oh, punaise, ben oui, toi. Fucking thing, j'ai perdu mon. Mais c'est pas grave. Écoute, tant qu'à mourir, on va mourir, c'est tout. OK.
J'ai déjà perdu mon chemin. C'est par là? Non, c'est par là. Belle-Île. J'ai pas envie d'y aller, mais zéro puis une barre. Belle-Île. Belle-Île. Ah, Delle-Île? Ok, Delle-Île. Ah, t'es là, toi? Oh, punaise. Fais pas de bruit! Tu vas me faire pogner. Faut pas parler fort. Tu sais, je m'empêche de parler que t'as à moi pour pas le réveiller. Monsieur Belle-Île. Vous pouvez désormais transporter plus d'objets. Ah, c'est cool! Ben, un de plus, ouais, méchante affaire. Ok, ça. Monsieur Belle-Île. 77,89. Ça, ça dit que s'il y a un casier, on va pouvoir y avoir accès. Ça te donne une idée à quoi on a affaire. Ok. Il n'y a rien d'autre ici. Fucking thing. Oh, punaise, hein? Ok. J'ai-tu l'air d'un gars qui a peur? Ok, on va aller lire ça. On va peut-être faire un épisode assez long. Parfait. Oh, mon Dieu. Ok. Ça, on va serrer ça. Ça, on va le prendre. On va fabriquer. Avec celui-là, on fabrique ça, ça ici. On va le mettre là. Et ça, c'est quoi? C'est à utiliser en cas de blessure sur le champ de bataille. Elle permet à un soldat gravement blessé de se sentir, sentir au mieux de sa forme. Bon, on va aller lire les informations qu'on a eues supplémentaires. Fournier, chef de corps, bon, ok, c'est celui-là ici. Rapport de la rue. Fournier, je mets maintenant par écrit ce que j'ai rapporté à mes yeux supérieurs directs. Hier soir, le 14 mai, j'ai été chargé d'aider les ingénieurs à cartographier les tunnels romains. En entrant dans la zone la plus profonde des tunnels, j'ai remarqué un étrange liquide rougeoyant qui suintait des murs. Lorsque je me suis retourné, les murs des tunnels avaient soudainement disparu et je me trouvais alors entouré par les ténèbres. Au loin, une lueur faible qui semble m'appeler. Entre elle et moi, des ombres mal formées se déplaçaient. J'ai cligné des yeux et tout avait disparu. J'étais de retour dans le tunnel. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde.
mais je suis convaincu que ce n'était pas un rêve éveillé, c'était bien réel. Depuis cette expérience, je me sens hanté comme si une partie de moi était toujours coincée dans les tunnels. Je continue de voir des formes qui bougent dans la périphérie de mon champ de vision. Je demande officiellement un congé médical. Aidez-moi, je vous en prie, je suis viré fou. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. On veut juste voir. C'est quoi le nom? Rapport La Rue. OK. Ça, ici, c'est des missions, je pense. Hein? C'est ça. Ouais, c'est ça, des missions que je dois. Photo, il n'y en a pas d'autres. Le code, c'est Delille 7789. OK. 7789. Attends une minute. C'était où déjà, ça? Ah, c'est de où j'arrive? Non, pas là. Ah oui, c'est là. C'est ça. Ah, va chez Lyon. On va sauvegarder avant. Ah non, c'est pas là. Il n'y a pas de lumière pour bien ben longtemps. Fait qu'on va faire ça vite. Delil, whatever. On va aller chercher. Delil, t'es où? Ah, il est là. Excellent. C'était quoi le numéro déjà? 7789. OK. 7 7 8 9. Oh, nice. Oh oh. Faut chier doucement. Fucking thing. Ah, oh, je me sens plus en sécurité. J'ai peut-être tort, là, parce qu'il fait des trous dans les murs. Bon, ça fait combien de temps que ça roule, cette affaire-là? 32 minutes. On va arrêter ça, là. Je vais faire un deuxième épisode tout de suite, je pense. Je vais aller chercher mon fils et on va faire ça. Je sauvegarde. Alors, écoutez, si vous avez aimé ce premier épisode, vraiment, c'est le premier épisode réel, parce que le premier avant que j'avais fait, que j'ai enlevé, il ne se passe rien. Là. C'est juste un peu l'introduction et tout ça. Alors, écoutez, le pouce vers le haut, bleu, noir, peu importe la couleur qu'il est maintenant, et les commentaires, naturellement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao, les amis, c'était Migaoui pour Ludos JV, et notre prochaine cible... je ne sais pas, en fait. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire sauter ça ici. Mais c'est en métal. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Parce que les portes en bois, on peut les ouvrir. Mais pour ce qui est des autres, c'est un peu difficile. Et un des problèmes, en fait, c'est que dès que tu fais du bruit, ben, la bébite va venir. Fait que... Alors, ciao, ciao. On se revoit pour une prochaine vidéo.